Nous sommes nombreux à dire que nous suivons Jésus. Mais pour beaucoup de personnes, suivre Jésus veut dire, ah non, mais je suis engagé. Je suis à l'église tous les dimanches. Mais est-ce que vous savez que suivre Jésus ne veut pas dire que je vais à l'église tous les dimanches? Je vais à l'église deux fois par semaine. Suivre Jésus veut dire que j'ai tout abandonné pour Jésus. J'ai tout laissé. Suivre Jésus veut dire que je me suis engagée entièrement et il peut tout me demander. Et dans la vie de chaque homme et chaque femme qui dit être chrétien, croyant, il y a un moment donné où il va devoir répondre à cette question. Qu'est-ce que je crois au sujet de Jésus? Bonjour et bienvenue à Passion pour Dieu. Nous avons commencé la semaine dernière, vous vous souvenez, une nouvelle série d'enseignements. Suivre le maître. Nous avons parlé de l'appel du maître. Rappelez-vous l'histoire que nous avons vue. L'histoire de Jésus qui appelle ses disciples. D'abord, il a lancé un appel à Philippe. Ensuite, il a lancé un appel à Pierre. Pierre qui était avec son frère André. Jésus passait par là et les a appelés. On peut attarder sur ce que Jésus a dit à Pierre. Et il a dit exactement la même chose aux autres qu'il a appelés, pratiquement au même moment, au même endroit, c'était Jean et Jacques. Jean et Jacques qui étaient eux sur leur bateau en train de pêcher avec leur père. Et ils ont laissé leur père, ils ont suivi Jésus. Jésus les a appelés, il leur a dit « suivez ». Et ce que je veux communiquer avec vous aujourd'hui, c'est que l'appel est le même pour chacun de nous. Jésus vous appelle aujourd'hui, il m'appelle aujourd'hui et il nous dit la même chose, suivez-moi. Mais en fait, il faut voir qu'il y a toute une série de choses à prendre en compte lorsqu'on commence à parler de l'appel du maître. À quoi réellement est-ce que Jésus nous appelle? Nous allons nous attarder longuement sur cela la semaine prochaine. Simplement pour vous rappeler ce que nous avons déjà vu, c'est le fait que Pierre et André, Jacques et Jean ont suivi Jésus sur le champ. La parole de Dieu nous dit qu'ils ont tout abandonné. Ils ont tout laissé derrière eux et ils l'ont suivi. Ils ont compris qu'il y avait un engagement, il y avait un choix et que ce choix était décisif pour leur vie. Et par la suite, lorsqu'ils avaient la possibilité de retourner en arrière, nous avons également vu cette histoire dans l'évangile de Jean, où d'autres ont commencé à déserter Jésus, à l'abandonner parce qu'il disait des choses qui ne leur plaisaient pas. Et j'avais signalé par ailleurs le fait que Dieu souvent dit des choses qui ne nous plaisent pas. Parce que ce qui est intéressant, et que souvent nous avons tendance à oublier dans notre génération, c'est que nous sommes censés faire son plaisir et non pas l'inverse. Dieu peut dire des choses qui ne nous plaisent pas et c'est à nous de nous conformer à lui, de nous mettre en accord avec lui. Et donc, il y a eu un autre moment où Jésus a commencé à dire des choses qui ne plaisaient pas à certaines personnes, dont certains de ses disciples qui ont décidé de le quitter. Et Jésus a posé la question à Pierre et aux autres et il leur a demandé, vous aussi, vous allez partir? Et tout de suite, Pierre a eu cette réponse extraordinaire. Elle a dit, mais à qui irions-nous? Où irions-nous? Vers qui irions-nous? Je paraphrase. En d'autres termes, nous avons fait notre choix. Il n'y a personne d'autre, il n'y a rien d'autre qui a la solution. C'est toi. Et c'est ce que Dieu nous demande à chacun de nous, de faire notre choix, le choix décisif et radical de le suivre et de le suivre avec tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Regardez avec moi dans Romains chapitre 12 au verset 1. Je vais vous lire dans ma version. Il nous dit ceci, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Ensuite, il continue en disant ceci, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. » Si j'étais dans mon église, je leur dirais, nous répétons ensemble, « Transformés. » Et tout le monde fait « Transformés. » Et là, chez vous, à la maison, dites « Transformés. » Dieu veut que nous soyons transformés. « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, la parole de Dieu nous exhorte à présenter nos vies à Dieu. Nous avons vu un petit peu l'image la semaine dernière. Si vous avez raté l'émission, allez sur le site, vous allez pouvoir la revoir. L'image du sacrifice qui est présenté à Dieu. Dieu veut que nous lui présentions nos vies, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons
pour lui, pour son plaisir et pour son sacrifice. Et pourquoi la consécration? Pourquoi est-ce que c'est nécessaire? Pourquoi ça ne suffit pas, comme nous disent certains, simplement d'aller à l'église quelques fois par année? Ou pourquoi ça ne suffit pas d'aller à l'église même tous les dimanches? Tous les dimanches, aller à l'église. Pourquoi cela ne suffit pas? Pourquoi Dieu veut tout? Pourquoi il nous demande de lui donner toute notre vie? La première chose que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est que Dieu ne nous demande que ce qui lui appartient. Nous avons été faits en son image. Il nous a fait. Si vous connaissez l'histoire de la Genèse, et certains vont me dire, oui, mais je ne suis pas sûre que j'ai été créée par Dieu, parce que moi, on dit tout le contraire. Eh bien, ne le croyez pas simplement parce que quelqu'un vous le dit. Si Dieu existe, Dieu est, il est capable de se révéler. Il est capable de se communiquer, et de montrer qui il est. Ne vous contentez pas simplement de nous dire et de vous dire que oui, il a été prouvé que nous sommes descendus des singes, que Dieu ne nous a pas créés. Non, ayons tous un peu d'intelligence, fouillons pour nous-mêmes. Et vous êtes en esprit, créons l'image de Dieu. Si Dieu existe, il est capable de se révéler à vous et il le fera si vous le demandez. Ne vous arrêtez pas simplement sur le fait que plus personne ne croit. Il y a des gens qui me disent, oui, mais plus personne ne croit en Dieu. J'ai faux, archi faux. Voilà une personne qui croit en Dieu et quelques milliers de personnes, milliards de personnes comme moi sur la terre qui croient en Dieu. Petit aparté pour quelqu'un qui regarde cette émission et qui dit, oui, mais déjà dit que Dieu a créé, on sait que Dieu n'a pas créé. Si, Dieu nous a créés. Dieu nous a créés en son image, il nous a façonnés, il nous a fait pour lui. Et à la base, nous sommes à lui. Et quand l'homme a été séparé de Dieu, il y a eu une espèce de division, entre guillemets. Et quand Jésus est venu pour restaurer la relation entre l'homme et Dieu, cette réconciliation s'est opérée pour tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus. Donc en réalité, ce que Dieu nous demande, c'est ce qui lui appartient. Il y a un verset dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19, verset 20, qui nous dit ceci. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu ?» Et écoutez bien ceci. « Et que vous ne vous appartenez point à vous-même ?» Car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc Dieu a une idée très intéressante, c'est que nous lui appartenons. Mais il nous demande de faire le choix de nous donner à lui. Parce que Dieu veut que la volonté humaine s'exprime. C'est la première chose par rapport à la consécration, au fait de dire « je donne tout à Dieu ». La deuxième chose, c'est que ce que Dieu veut faire, c'est restaurer l'harmonie qui a été perdue. J'ai parlé du fait que Dieu nous a fait, il nous a fait en son image. Et au départ, il y avait une entente parfaite et pas simplement cordiale entre l'homme et Dieu. Et Dieu veut restaurer cette harmonie. C'est évident pour quiconque se donne la peine de regarder autour de nous, regarder l'homme, sa relation avec Dieu, regarder la nature, regarder le monde dans lequel nous vivons, il est évident qu'il y a une séparation entre nous et Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que même la création soupire et soupire. Il y a quelque chose qui est tordu et qui attend d'être réparé, d'être restauré, d'être réconcilié. Mais Jésus est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Et maintenant que nous lui donnons nos vies, que nous disons, Jésus, j'accepte, je crois en toi, je crois que tu es le Fils de Dieu, il y a quelque chose de plus que Dieu veut opérer. Non pas simplement une réconciliation spirituelle dans le sens juridique, mais une réconciliation réelle et concrète. Une restauration de cette harmonie qui a été perdue entre l'homme et Dieu. Donc, quand Dieu nous demande de nous donner entièrement à lui, c'est tout simplement parce qu'il y a cette harmonie qu'il veut restaurer. Nous sommes censés revenir à ce que Dieu avait dans son cœur au départ, des hommes et des femmes qui vivent en symbiose avec lui. Nous avons tellement l'habitude d'avoir une relation adversariale avec Dieu, ou même une relation de client et fournisseur avec Dieu, que nous ne concevons pas facilement ce que c'est que d'être en symbiose avec Dieu. Mais Jésus nous en a donné l'exemple. Lorsque Jésus était sur la terre, il nous a montré la vie d'un homme en parfaite symbiose avec Dieu. Jésus disait par exemple, « Je ne dis que ce que j'entends dire mon Père. » Je ne fais que ce que je vois faire mon Père. Ça, c'est la marque de cette harmonie parfaite, cette symbiose qui existe entre l'homme et Dieu et qui est censée exister entre nous et Dieu. Donc, quand nous lui donnons tout, corps, âme et esprit, tout ce que nous sommes, nous lui cédons notre volonté. Qu'est-ce qui s'est passé au départ? C'est que l'homme a décidé d'opposer sa volonté à la volonté de Dieu. Quand nous lui cédons notre volonté, nous lui cédons nos pensées, nous décidons, Seigneur, je veux penser comme tu penses.
Je veux parler comme tu parles. Je veux voir les choses comme toi, tu les vois. Il n'y a pas de niveau plus élevé pour l'être humain que d'avoir la vision de Dieu, que d'avoir la même perception des choses que Dieu, que d'avoir la même position sur les choses que Dieu. Et c'est ce que Dieu nous invite à faire. Mais nous y arrivons lorsque nous acceptons ce qui vient de lui. Et nous le permettons d'enlever de nous ce qui est contraire à son cœur, à ses désirs et à ses pensées. Et en réalité, nous ressemblons toujours à quelqu'un. C'est notre choix de décider que nous allons ressembler à Dieu. Donc ce que Dieu veut, c'est mettre fin à cette relation adversariale. Les gens qui ne le connaissent pas, ils sont toujours en train de dire, oui, mais Dieu ceci, mais Dieu cela. Et ce qui est triste, c'est que parfois ceux qui ont donné leur vie à Jésus continuent à avoir la même attitude vis-à-vis de Dieu, parce qu'il y a comme une espèce de malentendu qui n'a pas été dissipé sur la nature de Dieu, sur son amour pour nous. Et nous pensons toujours devoir nous protéger, nous justifier et constamment voir Dieu comme celui qui... Oui, mais si ça ne se passe pas dans ma vie, c'est parce que Dieu n'a pas voulu m'aider, c'est parce que Dieu n'a pas voulu me bénir. Mais où donc est Dieu? Dieu est là où il a toujours été, près de vous. La question est de savoir où est-ce que vous êtes. Est-ce que vous allez tout lui donner, tout lui laisser, tout abandonner entre ses mains? Mettre fin à cette relation adversarielle, mettre fin aussi à la relation client et fournisseur que beaucoup de chrétiens ont avec Dieu. Dieu existe pour pourvoir à nos besoins. Dieu existe pour nous rendre heureux. Dieu existe pour nous faciliter l'existence sur la terre. Non, 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 absolument pas. Dieu nous a fait pour vivre en harmonie, en symbiose avec lui. Quand nous mettons de côté cet aspect « donne, donne, donne » et que nous disons « je donne », je donne, je me donne à toi, Seigneur. Je m'abandonne entre tes mains. Je veux ce qui vient de toi. Je veux tes pensées, je veux tes idées. Je veux aimer ce que tu aimes. Je veux détester ce que tu détestes. Je veux voir les gens comme toi, tu les vois et je te donne tout. Quand nous commençons à adopter cette approche, c'est une approche de confiance. C'est une approche qui est le résultat, comme j'ai expliqué la semaine dernière, de la révélation. Et Dieu a envie de se révéler. Et en réalité, plus on le connaît, plus on a envie de se donner à lui. Plus on se rend compte qu'il n'y a personne d'autre comme lui. Il est réellement exceptionnel. Vous savez, il y a quelque chose qui me fait souvent plaisir. C'est lorsque les gens me disent, tu as changé ma façon de voir Dieu. Et ça nous fait plaisir. Parce que notre manière de voir Dieu est trop tordue. Ne correspond pas à la réalité de ce qu'il est. Et nous sommes faits pour l'intimité. Nous sommes faits pour la proximité. Nous sommes faits pour, comme l'apôtre Jean, poser nos têtes contre son épaule. Nous sommes faits pour avoir une relation de confiance totale. Mais nous ne pouvons pas avoir cette relation de confiance totale si nous ne lui cédons pas tout. Si nous ne lui donnons pas tout. C'est pour cela que Dieu nous demande de tout lui donner. Il y a aussi un troisième point que j'aimerais évoquer avec vous. C'est que Dieu vous a envoyé sur la terre pour un but précis. Et il est le seul à vous connaître. Je donnais un exemple l'autre jour. Je disais, vous voyez, c'est Dieu envoie un esprit sur la terre, parce que vous êtes un esprit sur la terre, et qui vient dans la forme d'un être humain, qui va grandir, qui va vivre, qui va avoir un certain nombre d'expériences et d'influences. Et donc, se faire et se façonner une idée de lui-même et de ce qu'il est, de ce qu'il va devenir. Et un jour, cette personne rencontre Dieu. Cette personne entend de Dieu, voilà ce pour lequel je t'ai fait. Et cette personne se dit, moi, je suis plutôt du genre A. Hein? Et tout cela issu des idées que nous nous sommes faites nous-mêmes. Et qui parfois n'ont rien à voir avec les idées que Dieu lui avait quand il nous a façonnés. Je me souviens quand le Seigneur a commencé à nous travailler par rapport au ministère, être pasteur, prêcher l'évangile. Moi, c'était vraiment à des années-lumière des idées que j'avais sur moi-même. Parce que les influences que j'ai subies, tout ce que j'ai su sur moi ne correspondait absolument pas à ce que Dieu savait de moi, à ce que Dieu lui avait dans son cœur quand il m'a formé. Et il a fallu que je lui cède ma volonté. Il a fallu que je lui cède mes désirs. Il a fallu que je dise, Seigneur, je veux ce que tu veux. Et j'ai expliqué quand je prêchais sur cela dans mon église qu'il y avait une période de ma vie où tout ce que je pouvais prier, c'est en anglais, whatever. En d'autres termes, qu'importe, ce que tu veux. Oui, 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 oui à tout. Ce que tu veux, tout ce que tu veux. Et c'était non-stop, whatever. Et je priais, c'était whatever. C'était un abandon, une soumission à la volonté de Dieu. J'étais arrivée au point où je comprenais que bon, ça ne correspondait pas toujours à ce que moi je voulais, mais j'avais reconnu que c'était bon. Et j'avais commencé à dire, ok, c'est comme tu veux,
C'est comme tu veux. Et je vous assure, il n'y a pas de prière plus puissante que cette prière-là. Comme tu veux, Seigneur. Et c'est ce qui nous demande de mettre notre volonté en harmonie avec la sienne pour que nos vies puissent parvenir à l'objectif que Dieu avait défini quand il nous a envoyés sur la terre. Il y a un but divin pour votre vie, mais il faut le découvrir. Nous pouvons passer 80 ans, 90 ans sur la terre à faire beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses qui ne correspondent pas à ce pour lequel nous avons été envoyés sur la terre. Cette consécration nous permet, cet abandon de mon cœur, de mon âme, de ma volonté à Dieu pour dire « Seigneur, je vais te suivre ». Pensez à Pierre. Cela nous permet de réellement accomplir ce pour lequel nous sommes venus sur la terre. Pensez à Pierre. Pierre était pêcheur de poissons. Et Jésus a rencontré cet homme et a radicalement changé sa destinée. Ou l'a fait entrer plutôt dans sa destinée, radicalement changé sa vie. Jésus a dit, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Pierre se voyait comme un pêcheur de poissons. Jésus le voyait comme un pêcheur d'hommes. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Pierre est devenu le grand apôtre Pierre. Sa destinée était radicalement différente de ce que lui imaginait. Mais cela a commencé avec un choix, le choix de suivre le maître. C'est le choix que Jésus vous demande de faire aujourd'hui, le choix de le suivre, de suivre celui qui vous a façonné, de suivre celui qui vous connaît plus que quiconque, qui vous connaît plus que vous-même, qui vous connaît plus que vos parents, qui vous connaît infiniment mieux que vous puissiez jamais vous connaître, celui qui sait ce qu'il a mis à l'intérieur de vous. Et il y a des gens comme moi, il y a des gens comme vous, dont la vie a été radicalement changée à la rencontre du Maître, en faisant le choix, non pas de suivre mes idées et ma volonté, mais de considérer que Dieu doit savoir quelque chose que moi je ne sais pas. Et je vais le suivre. Et je vais aller jusqu'au bout avec lui. Et je vais faire les choix que lui m'indique. Et ça commence avec ce « je te suis, je te donne ». Pas simplement le chant sentimental que nous chantons avec beaucoup de larmes et ensuite nous retournons à la même vie que nous vivions avant. Non, mais une décision de qualité, de dire je reconnais que Jésus est ce qu'il dit être, le chemin, la vérité et la vie. Et je choisis d'emprunter ce chemin. Et puisque je choisis d'emprunter ce chemin, je lui donne tout, je cède ma volonté à la sienne, je lui permets d'orienter mon existence selon ce que lui avait prévu lorsqu'il m'a façonné. C'est exactement la même chose que Dieu a dit à Jérémie lorsqu'il a appelé. Jérémie avait une certaine idée de lui-même. Dieu lui a dit, Jérémie, avant même de te façonner, je t'ai appelé. J'avais une idée en tête quand je t'ai fait, et j'avais quelque chose de précis que tu allais faire. Et ce pour lequel Dieu vous a fait, c'est ce pour lequel Dieu vous a équipé. Et Jérémie ne le savait pas. Jérémie trouvait que non, mais je suis jeune, moi. Mais je suis qu'un gamin, moi. Et Dieu ne voyait pas un gamin. Dieu voyait un prophète. Dieu vous regarde aujourd'hui. Certainement, il voit quelque chose au plus que ce que vous voyez. Mais cela commence avec un abandon. Le choix de dire, Seigneur, je vais te suivre. Et je vais jusqu'au bout avec toi. Et je cesse d'avoir une relation adversariale avec toi. Je cesse d'opposer ma volonté à la tienne. Je te permets de changer ma façon de voir, ma façon de penser, ma façon de parler. J'accepte que tu changes mon système d'exploitation. J'accepte. Et ce changement que Pierre a accepté a complètement transformé sa vie. Pourquoi Dieu nous demande de tout lui donner? Parce qu'il veut que nous vivions bien. Et la vie en abondance que Dieu donne se trouve en Jésus. Et dans cette harmonie qui existe entre nous et lui. Dieu sait que nous sommes faits pour aimer, pour admirer, pour adorer. Parce qu'il nous a faits pour l'aimer, pour l'admirer, pour l'adorer. Et pour aimer, nous aimer les uns les autres. Mais chaque être humain a un héros. Vous avez un héros. Vous avez quelqu'un que vous admirez. La personne la plus désabusée a un héros. Et cette personne que vous admirez, cette personne que vous adorez même, et beaucoup de jeunes
comprennent ce dont je parle. Parce qu'il y en a qui adorent les célébrités, les stars de cinéma, etc. Les photos qui sont sur vos murs, la personne que vous contemplez le matin, quand vous vous levez, la personne que vous choisissez de copier avec vos coiffures, votre style, la manière de s'habiller, c'est votre héros. Nous sommes toujours influencés par quelqu'un. Qui vous influence? Est-ce que c'est votre créateur qui vous influence ou est-ce que c'est un être mortel qui lui-même ne sait pas qui il est et où il va? Nous avons le choix. Et c'est quand nous laissons Dieu nous influencer que notre vie prend des couleurs. Quand nous laissons la pensée de Dieu influencer nos pensées, que nous avons des pensées merveilleuses, que nous avons des paroles merveilleuses, que nous avons une vie extraordinaire. La vie en abondance que Dieu nous donne, la vie même de Dieu. Dieu communique avec nous au-delà de ce qui est physique, visible et apparent. Il communique à nos cœurs la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit, la paix de Dieu. C'est des choses qu'aucun être humain ne peut vous donner. Et la vie que nous vivons sur la terre sera une vie de bonheur, une vie de bonté, une vie de paix, une vie de joie. Pourquoi beaucoup de chrétiens ne sont pas heureux? Parce qu'il y a une division en eux. Et je reviens à ce que j'avais dit au départ sur l'harmonie. Cette harmonie, c'est l'harmonie avec Dieu. C'est aussi l'harmonie avec soi-même. Votre esprit est né de nouveau. Mais Dieu nous appelle dans ce verset à renouveler notre intelligence, à faire en sorte que notre pensée soit conforme à ce qui s'est passé à l'intérieur de nous lorsque nous sommes venus à Christ, que nous commencions à penser comme Dieu pense, que corps, âme et esprit, et quand je parle d'esprit, je parle de notre homme intérieur, l'homme spirituel, et que tout soit en phase, en symbiose, en harmonie. Et non pas « j'aime Dieu de mon cœur, mais je passe mes nuits à regarder la pornographie. J'aime Dieu de mon cœur, mais je passe mon temps à courir après les filles. J'aime Dieu de mon cœur, mais je n'arrête pas de me mettre en colère et de dire des méchancetés, de faire des méchancetés. » Non, il y a une harmonie qui doit s'instaurer à l'intérieur de moi. Et quand je donne tout à Dieu, je lui permets de venir faire le nettoyage en moi. J'ouvre toutes les portes de mon être. Et le Saint-Esprit est en mesure de tout investir. Et là, la parole de Dieu me dit de renouveler mon intelligence. Je commence à méditer la parole de Dieu, à laisser Dieu changer ma façon de penser, de telle sorte qu'il n'y a pas de division en moi, il y a une harmonie parfaite à l'intérieur de moi. Ma pensée est conforme à ce qui se passe dans mon homme intérieur. Mon homme intérieur qui a été renouvelé à l'image de Christ, maintenant est en phase avec mon intelligence qui est renouvelée pour penser ce que Dieu pense. Et ma langue qui commence à dire ce que Dieu dit. Et mes actions qui commencent à correspondre aux actions de Dieu. Dieu réellement veut que nous vivions sur la terre comme des gens qui connaissent Dieu, qui sont en phase avec Dieu, qui sont en symbiose avec Dieu. Et pour ces chrétiens qui sont malheureux, au lieu de regarder autour de vous et de dire « c'est un tel qui me fait du mal et un tel qui me fait du mal », regardez à l'intérieur de vous. Est-ce que vous avez tout donné à Dieu? Est-ce qu'il y a une consécration pleine et entière? Est-ce qu'il y a un abandon de soi? Est-ce qu'il y a une soumission à la volonté de Dieu? Et c'est là la vraie joie. C'est là la vraie paix, parce que c'est là où tout ce qui est en Dieu est en mesure de nous envahir totalement et nous remplir totalement. La parole de Dieu parle d'être rempli de toute la plénitude de Dieu. Et c'est cela notre prière aujourd'hui. Père Céleste, nous te demandons pour nous, pour chaque homme et chaque femme qui regarde cette émission, la révélation de ta personne, la compréhension de la disponibilité de Dieu. Tu n'es pas éloigné de nous. Tu n'es pas distant, papa. Tu es disponible. Et nous voulons être remplis de toute la plénitude de Dieu. Nous voulons être de ceux qui pensent comme toi, qui parlent comme toi, qui agissent comme toi. Nous voulons être comme Jésus. Merci, Seigneur. Alors, je vous encourage à réellement méditer ces passages que nous avons vus. Regardez de nouveau cette émission. Elle est disponible sur le site. Et pensez à ces choses que nous avons vues. Et donnez tout à Dieu. Parce qu'il vous aime. Et ne veut que vous faire du bien. Il est le seul héros que nous devons avoir. Parce qu'il est le véritable héros. C'est celui qui donne la couleur à nos vies. Et qui donne la paix et la joie. Que Dieu vous bénisse. Et on se revoit la semaine prochaine.